Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous sommes très heureux de vous faire part de la sagesse que nous avons à partager avec vous à propos de cette porte des lions et de toutes les portes des lions que vous vivez sur Terre en tout temps et que nous vivons tous dans toute notre galaxie. Il s'agit d'un événement galactique, après tout, et les effets de l'ouverture du portail, de cette porte, ne concernent pas seulement la Terre. Il s'agit de nous tous, à travers la galaxie, et de la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, et dont nous traitons et partageons les énergies ensemble. Ainsi, cette porte des lions, comme toutes les autres, a le potentiel de vous ouvrir à davantage d'expériences avec vos amis galactiques et les membres de votre famille. Il y a davantage d'expériences de contact qui vous sont ainsi accessibles au cours de cette période dans laquelle vous vous trouvez. Il y a une signification particulière à l'ouverture de ce portail, vraiment très spécial. Il s'agit du premier contact sur Terre pour vous tous. Vous avez tous vos désirs d'expérience de contact et beaucoup d'entre vous ont déclaré qu'ils ne voulaient pas attendre forcément le débarquement de vaisseaux qui aura lieu dans les 3 prochaines années environ. Vous voulez avoir vos expériences de contact maintenant. Et il y en aura, certainement, avant l'année 2027. Alors, ces énergies soutiennent grandement les désirs que vous avez pour vous-même et pour vos semblables. Plus vous entendez parler des expériences de contact d'autres personnes, plus vous êtes prêt à croire que c'est possible pour vous. Maintenant, ce que vous voulez éviter de vous dire, c'est « Pourquoi cette personne et pas moi ?» Parce qu'il existe une bien meilleure façon de voir les choses. Au lieu de dire cela, vous pouvez alors simplement penser « Puisque cette personne a des expériences de contact, cela doit signifier que je suis le prochain. » Vous devez voir ce que font les autres comme une preuve de ce qui est possible. Et vous devez abandonner l'idée que quelque chose vous en empêche et que c'est la raison pour laquelle vous ne vivez pas la même expérience de l'autre. Vous êtes tous censés vivre les expériences que vous vivez au moment parfait pour vous, orchestrées par vos guides et par votre moi supérieur. Par conséquent, vous pouvez abandonner l'idée du blocage en vous, d'une manière ou d'une autre, dans les expériences que vous souhaitez vivre. Nous voulons vous inviter ainsi à reconnaître que si vous voulez vivre une expérience de contact rapidement, alors vous le pouvez. Vous avez tous la capacité de créer les expériences que vous souhaitez vivre dans votre vie. Et l'une des façons de vous rapprocher de celle-ci est de travailler sur les croyances que vous entretenez. Si vous avez des croyances qui disent que vous n'êtes pas digne ou que vous n'êtes pas prêt, alors ce sera votre expérience. Personne n'a besoin d'être parfait pour manifester ce qu'il désire dans sa vie. Vous pouvez certainement le constater simplement en regardant autour de vous vos semblables en ce moment. Reconnaissez que vous êtes tous destinés à avoir ces choses sur lesquelles vous travaillez afin de pouvoir connaître la croissance. Personne n'est défectueux, personne ne l'est, et vous avez tous été créés pour avoir un voyage et un but. Il est temps maintenant pour vous de reconnaître que vous êtes prêt à aller de l'avant,
Vous êtes prêt à grandir, à évoluer à travers les expériences que vous vivez. Et le contact avec l'être humain est l'une de ces expériences. Cela est censé se produire pour vous dans cette vie et vous inciter à achever le changement. Soyez donc assurés que les énergies de la Porte des Lions travaillent déjà sur vous tous et continueront de le faire même après la date du 8 ou du 12. Détendez-vous et sachez que tout va bien et que tout se passe dans un timing parfait et divin. Nous sommes le conseil arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Et nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.